Voici deux fractions, un quart et cinq sixièmes. On voudrait trouver deux fractions égales à celles-ci mais qui ont le même dénominateur et un nombre entier au numérateur. Bon, ça bien sûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire qu'on va essayer de réécrire ces deux fractions en les mettant au même dénominateur. Parmi les nombres suivants, lequel ou lesquels pourrait-on choisir comme dénominateur Et on nous donne ces nombres-là, 8, 12, 18 et 24. Alors les fractions, ce sont celles-ci, 1 quart et 5 sixièmes, donc au dénominateur on a 4 et 6. Et on voudrait changer ce dénominateur pour trouver le même. Alors est-ce que par exemple, on pourrait prendre le nombre 5 comme dénominateur Eh bien non, puisqu'en fait, il faut que le dénominateur soit un multiple de 4 et un multiple de 6. Donc un multiple de 4, ça veut dire que ça doit être un nombre qu'on peut obtenir à partir de 4, en multipliant 4 par quelque chose. Alors je peux par exemple commencer la liste des multiples de 4. Hein. Les multiples de 4, alors on aura 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Ensuite, il y a 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Puis 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et ainsi de suite, comme ça. Voilà. Alors, on va s'arrêter un petit peu juste pour essayer de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on doit en fait choisir un multiple du dénominateur. Alors, pour ça, je vais prendre un cercle. Voilà. On, bon, on va dire que c'est une, une pizza. Et ce cercle... Je l'ai divisé en quatre parties égales, donc ça veut dire que chaque partie représente un quart. Alors cette partie-là, ici, ça c'est un quart. Et donc là, par exemple, si je veux changer le numérateur et avoir deux au numérateur, eh bien ce que je vais faire, c'est couper ma, mon quart en deux. Comme ça, j'aurai deux parties. Voilà. Donc là, j'ai effectivement deux parties. Donc mon numérateur sera deux. Alors, quel est le dénominateur dans ce cas-là Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5 est-ce que du coup là j'ai représenté deux parties sur cinq Eh bien non, pas du tout, parce que les parties ici ne sont pas toutes de la même taille, ce ne sont pas des parts égales. Donc on ne peut pas dire que cette fraction-là est égale à deux cinquièmes, ce n'est pas du tout ça. Si je veux exprimer ça en termes de fraction, il faut absolument que je, je découpe mon cercle, ma pizza, en parties égales. Alors puisque j'ai découpé ce premier quart en deux parties. Si je veux avoir partout des parties égales, ben je vais découper chaque quart en deux parties. Alors je vais faire ça ici. Voilà. Ce quart, je le découpe en deux aussi. Et puis ce quart-là, en deux aussi. Donc là, j'obtiens des parties égales. Et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et effectivement, dans ce... du coup, là, j'ai bien... Au numérateur, j'ai deux parties. Donc j'ai bien un 2. Et au dénominateur, j'ai huit parties. Donc la fraction que j'ai ici c'est 2 huitièmes. Là effectivement j'ai représenté la même fraction qu'ici, un quart, puisque j'ai colorié la même, la même partie du cercle en fait. Alors si tu regardes ce qui s'est passé au départ, j'avais divisé ma pizza en quatre parties, et chaque partie je l'ai découpée en deux parties. Donc en fait j'ai multiplié par 2 le nombre de parties. Hein. Ici, ça. Le dénominateur a été multiplié par 2. Et puis le numérateur, eh bien, je suis passé, j'avais une partie et maintenant j'en ai deux. Alors c'est des parties plus petites, hein, mais le nombre de parties a été multiplié par deux. Donc si je veux changer le dénominateur de ma fraction en gardant la même fraction, eh bien, je vais multiplier le dénominateur par un certain nombre et il faut que je multiplie le numérateur par le même nombre. Alors là je l'ai fait en multipliant le dénominateur par deux. Mais je pourrais très bien multiplier le dénominateur par un autre nombre. Alors, si tu veux, on va faire un exemple. Voilà, donc là, j'ai, comme tout à l'heure, ma pizza divisée en 4 et je vais colorier un quart. Alors, voilà, je colorie cette partie-là de la pizza, donc qui correspond à un quart aussi. Ça, c'est un quart, encore une fois. Et puis, disons que cette fois-ci, je voudrais avoir 3 au numérateur. Donc, ce que je vais faire, c'est diviser mon quart en trois parties égales, donc une partie et deux parties, trois parties. Voilà, une, deux, trois parties égales. Et si je veux pouvoir exprimer cette partie-là en fraction, eh bien, je dois, comme tout à l'heure, avoir des parties égales. Donc ici, je vais diviser chaque quart en trois parties. Donc une, voilà, le premier. ce quart-là, je l'ai divisé en trois parties. Ce quart-là aussi, trois parties égales ce car là en trois parties égales et ce quart là en trois parties égales. Donc maintenant si je veux exprimer cette fraction là, donc la partie colorée, eh bien je peux dire que j'ai au numérateur j'ai une, deux, trois parties sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties égales. 12 parties égales puisque j'ai découpé ma pizza en 12 parties égales. Et là comme tout à l'heure on peut voir qu'on a multiplié ici le nombre de parts égales c'était 4 maintenant c'est 12 en fait on l'a multiplié par 3. Donc le dénominateur a été multiplié par 3 et le numérateur eh bien il a été multiplié par 3 aussi. Voilà. Donc là j'espère que ça clarifie un petit peu le pourquoi pour écrire une fraction avec un dénominateur différent, il faut prendre un multiple de ce dénominateur. Alors on va revenir maintenant sur l'exercice. Donc là le dénominateur de la première fraction c'est 4. Et on a commencé ici à écrire les multiples de 4. Hein, donc j'ai ici 4, 8, 12. Ensuite j'ai 16. Et puis ensuite j'ai 24. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Hein, je pourrais continuer la liste indéfiniment. Mais là je vais m'arrêter ici. Pourquoi Parce que dans les nombres qui me sont proposés, le plus grand c'est 24. Hein, donc ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 24. Et puis maintenant on va regarder les multiples. De 6, hein, puisque la deuxième fraction est là pour dénominateur 6. Donc si je veux changer le dénominateur de cette fraction, il faut que je prenne un multiple de 6. Donc je vais écrire ici les multiples de 6. Donc il y a 6 fois 1 qui est 6. Ensuite il y a 6 fois 2 qui est 12. Ensuite 6 fois 3 qui est égal à 18. Ensuite 6 fois 4 qui est égal à 24. Et puis je pourrais continuer ainsi de suite. Mais comme tout à l'heure, je m'arrête là puisque 24, c'est le plus grand des nombres qu'on me propose. Alors maintenant, je vais pouvoir me servir de ces listes, parce que mes fractions doivent avoir le même dénominateur, c'est ce qu'on appelle un dénominateur commun. En fait, le dénominateur qu'on va chercher, ça doit être un multiple de 4 et un multiple de 6. Alors je vais regarder la liste maintenant qu'on me propose. Ici, j'ai 8. Alors 8, c'est un multiple de 4, il est ici, mais ce n'est pas un multiple de 6. Donc je peux écrire la fraction 1 quart avec un dénominateur égal à 8, mais pas la fraction 5 sixièmes. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, on me dit 12. Alors 12, c'est un multiple de 4. Il est ici, hein, c'est 4 fois 3. Et puis c'est aussi un multiple de 6, puisque c'est 6 fois 2. Donc ça, c'est bon, ça, c'est la bonne réponse. Donc celle-là, je peux la cocher. Alors, je continue. 18, 18, c'est un multiple de 6, mais ce n'est pas un multiple de 4. Donc ça, ça ne va pas marcher non plus. Alors, il me reste le 24. Et 24, ça va marcher puisque c'est un multiple de 4, ici 4 fois 6, et c'est aussi un multiple de 6, 6 fois 4. Donc ça, c'est aussi une bonne réponse. Donc finalement, si je veux écrire ces deux fractions-là sur un même dénominateur, eh bien les deux nombres qu'on peut choisir ici dans cette liste, hein, c'est 12 et 24. Alors une petite remarque pour terminer. En général, on préfère Utiliser le plus petit dénominateur, donc ici ça serait 12, et c'est le plus petit commun multiple de 4 et 6. Ça se comprend parce qu'en fait ça sera plus facile de faire des calculs avec des nombres plus petits, donc avec 12 ça sera plus facile qu'avec 24, mais ce n'est pas une, du tout une obligation, tu peux aussi choisir le nombre 24 comme dénominateur commun, et parfois c'est plus simple parce que c'est directement ici le produit de 4 et de 6, donc on le trouve parfois plus facilement.